Dieu veut m'entraver une bonne nouvelle aujourd'hui. Je t'ai préparé un poulet. Waouh. Tu connais quand je te fais le poulet, non? Très confiant. C'est-à-dire que quand je tournais la maman, je tournais en disant que Seigneur, fais en sorte que mon mari, quand il va rentrer aujourd'hui, il rentre sa maman. C'est pour ça que tu es une femme exceptionnelle. Avec toi, moi, je mange le poulet avant décembre. Ouais, chérie. Pourquoi tu es exceptionnelle? Dès que c'est parce que j'ai vu le vendeur le poulet, que donne-moi la don. L'animal le plus gros de ta ferme. Ok. Je vais me régaler. C'est ça, mon cher. Non, j'ai très faim, mais bon, il y a un truc que je dois aller voir un voisin. Il me voir. Donc, ça m'en tout cas, il est venu plus que ça. Quand je fais pourquoi avec les voisins, tu craches. Moi, je ne suis pas trop à la maison, non. Quand j'arrive comme ça, les voisins, il faut pas qu'ils disent que le gars là m'a déjà. Non, en tout cas, quand j'arrive, je me libère une fois, après, il vient déguster le poulet de ma chérie. Ne t'inquiète pas, je vais te faire. Tu ne dures pas, elle. Non, ne dure pas, elle. Tu te vois là, donc, parce que je te connais quand tu vas sortir, là, tu vas seulement rentrer ici demain, mais disant que tes amis non, sont non, montés. Non, non, comment c'est pas. Une minute là-bas, elle a beau faire. Tu sais que même pas mes colonnes là-bas, que les filles là-bas, ils sont là. Le soir même. C'est ici que tu vas m'occuper. Ok, moi, je vais. Tu ne mets pas long. Non, t'inquiète pas, il ne met pas long. C'est qui même? C'est ta coco. Hé, hey, ma voix. Ah, ça laisse moi comme ça. C'est comment elle a la voix? Je suis là. Ah, qu'est-ce qu'on lève et gère? Ça te gère seule, maman. Tu vois comment je suis là, ma tête chauffe même, il t'assure. Ok. Alors que tu n'as qu'un seul enfant. Maman, laisse-moi, ça me laisse. Avec tous les gars qui sont vestis ici dehors, tu fais là, qu'est-ce que tu n'es pas comme moi. Il a passé mon temps à pondre. Je suis déjà là, s'il ne me donne pas, il va aller. Ou qui va encore me prendre dans mon état, si. La personne a dit qu'il va l'entraîner, comment pour la rentrer. Il me dit que j'attends, que quand il va toucher à la fin du mois, il va venir me donner l'argent, mais il va aller faire. J'attends seulement la fin du mois, ma soeur. J'espère qu'il va te donner. Parce qu'il dira que lui-même il va acheter, maman. Tu sais qu'on a cotisation, nous les femmes avec les cotisations. Il faut qu'il te donne l'argent là. Tu vois, moi, c'est là. Mon mari m'a donné, je sais combien il m'a donné. Ne me dis pas, ma soeur. 50 000, un seul enfant. J'ai dit, qui va l'acheter? Il n'a pas acheté les cahiers et livres de 50 000 que je voulais. Ça a commencé comment? Tu as alors raison. Parce qu'il disait d'abord là que quand il va toucher, que j'aille chercher la liste des fruitures, lui, donne même pas chercher. Maman, ne commet pas l'erreur là. Tu dois aussi jongler. Tu dois jongler. Toi, tu vas manger où? Dans mon foyer. Parce qu'on a deux possibilités de manger l'argent d'un homme. Il veut d'abord qu'il parle parce qu'il disait que oh, c'est mon mari et tout et tout. Non. Oh. Maman, je vais partir. Le ciel est tout ça. J'ai mes habits dehors. Je vais aller en épée. Ok, ma copine, je laisse quand même à la porte. Ok, oh. T'inquiète. T'inquiète. Tu vas seulement poser la table. Bon, Marco, nous sommes ensemble. D'accord, bye bye. Non. Bye bye. Il ne me donne pas l'argent. Comment tu sois assise là? C'est ici qu'il va me couver. Tous les jours, je pars. Que? C'est ici que je l'attends. C'est là depuis qu'il est parti. On ne connaît même pas les gens qui les marchent dans tout le quartier. Puis il va rentrer ici là comme une épave. Hé hey, chérie, c'est quoi? Tu y a quoi? Quand tu vois, même tu vois quand tu souris, il y a quoi que tu es masqué comme si ça. Si tu as fini de boire tes alcools là-bas, tu ne viens pas se ça sur moi. Tu touches quand? Réponds-moi, tu touches quand? À la fin du mois. Non? La fin du mois, c'est quand? Bon, mon patron, non? Laisse-moi ton patron, je ne suis pas la voix de ton patron. Bon, tu touches quand? Bon, je veux la date. Je touche à la fin de semaine prochaine. Oh putain, vendredi, toutes les choses. Jory tombe, ne te dérange pas. Parce que comme je te connais là, quand tu vas aller toucher un tel voisin, tel collègue, on va te voir dans tous les bars du secteur. Tu vas rentrer cela, et là, même 25, il n'y aura plus. Peut-être que la rentrée, si mes enfants ne vont pas les fréquenter avec les cotisations, ils ne veulent pas. Moi, je te dis que tout va bien se passer. On a parlé tout à l'heure. T'es pas, tu dois m'écouter, chérie. Chaque fois on parle, ça finit toujours comment? Dans zéro. Bon, mais tout sinon, je te jure comme ça, là. Tu ne me jures pas, dès que tu touches, tu viens poser l'argent ici. Moi-même, je vais lâcher les choses de mes enfants. Ok. Ok, que tu dis là, non, on se connaît. Mais tout sinon, si tu vas en mise, tape ici là. Il y a mise et puis je travaille, ou tu ne m'enfermes pas ici dedans pour aller chercher l'un des autres. C'est ce que ça m'était dit, non? Je te promets, non? Hein? Allah. Je
je te jure sur l'amour que je te jure sur le yamo que tu nous l'accueilles. Non, le yamo est douteux, ne jure pas dessus. Pour être sérieux, non, si c'est que Ndem, tu me bats une fois parce qu'il veut même pas que les. Et c'est Babi qui va encore me prendre. Tu es prévenu, il t'a dit que mon poulet ne sort pas. On va arrêter comme ça. Tu vas dormir affamé. Tu savais d'abord, tu sais que tu es d'abord pour l'argent là. Tu mets seulement hier faire le poulet au poids, tu ouvres la bouche pour manger. Tu manges que tu as rationné combien? Tu me donnes 500 déjeuner, repas de midi, repas du soir, y compris. Si l'enfant te met dans les 500, on va manger quoi 25? Tu ne manges pas, tu attends. Le jour où le salaire vient, c'est là où on fait sortir le poulet. Donc, il fait une semaine sans manger. Ça, c'est engagé là-bas. D'accord, sans problème. Moi, je discute. C'est toi qui commandes les maintenant. Je me fatigue même pas, il m'en fait d'abord dormir. Ah, les femmes. Yes. J'ai cherché à couver. Allô l'argent. Allô l'argent. Allô l'argent. Allô l'argent. Ouais, même la femme de la maison c'est là mon frère. Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Quoi? Viens que tu cries mon nom. Viens à quoi? C'est pas d'abord, ouais. C'est quoi les problèmes non? Tiens, les carrés dans la maison, c'est pas que tu me. Mais voilà pourquoi les femmes nous appellent. Il y a quoi? C'est parce que c'est un homme fidèle qui ne fait pas les choses là. Quand il rentre de mon travail comme ça, c'est que vous voulez tout déranger avec des nains, chaque nuit à quoi? Assieds-toi alors. Oui, mais là-bas, tu vas raconter une histoire. Parce que l'argent, c'est le diable, tu vois un peu. Qui est l'argent, c'est le diable? Quand tu as les deux, quand je rentre là tout à l'heure, on m'a donné un au travail, tu vois. Maintenant, quand il rentre dans le taxi, moi, quand il sort le taximan, il veut que tu tapes ma poche. Après, chaque demi, il tape ma poche. Mais il y a un temps là où j'ai encore tapé ma poche, j'avais plus l'argent. Quoi? J'ai commencé à transpirer. Après, subitement, je touche à quoi il y a l'argent. Là, c'est le diable, chérie. Donc, là, on est tombé, il faut qu'il te passe à l'oreille, là. Attends d'abord. Non, tu as même raison, parce que tu peux disparaître, là. Non. Pourquoi tu aimes bien appeler comme ça? Non, l'argent, là. Elle, là. Ah, Seigneur, j'ai les palpitations. Donne-moi l'argent, chérie. J'aime garder l'argent dans le. Il y a un cache-nez, là, que. Tu ne veux pas que les bandits me remarquent, tu vois un peu, non? J'aime l'argent dans le cache-nez. Les sorciers de ce quartier qui avaient tant parlé de moi, là. C'est caché le oué dans le cache-nez, donc. Il y a le voisin, qu'on colle. Parce qu'il ne faut pas que les gars remarquent qu'il y a l'argent dedans. Tu comment? Ça, c'est le diable, non, mec. C'est que ton poulet que j'avais caché depuis au congélateur. Ah, oui, ça nous brûle d'abord, ça là maintenant. Une fois. C'est-à-dire qu'il veut qu'on mette le miel sur ça, tu sais, quand il te fait les choses. Tu vas angoisser, après, on va chercher. Tu ne dois même pas bouger, attends-moi, je vais. Non, on va chercher, j'ai confiance là-bas. Les femmes avaient la place. Oui, ma coco! Je ne te dis pas alors, le décaissement de ça. Et tu es tout à l'heure même, il est venu avec l'argent. Donc si tu es après la pardon, lance seulement le sac, c'est que l'argent c'est le diable, même pas que ça dort, manque, mais même pas. Donc dépêche-toi. Non, on se prend là, mon encre là, on passe le manque. Et tu es. Il te dit qu'on part maintenant, même lance seulement le cabas, on part. Tout de suite même. D'accord, on fait comme ça tout à l'heure. Pardon, ne dis pas. Ok, tout à l'heure. Il va la bonne qualité, c'est la meilleure. Hein. Ok. Il y en a encore plus. Bon, comme ma copine est dehors, je vais d'abord lui dire, vous vendez ça à combien exactement? Ça dépend d'abord des pages que vous voulez, c'est en fonction des pages que l'on va le prix. Ok, je vais d'abord vous faire part, ma copine. Sans problème, okay. Sans problème. Bon, ma copine, je vais essayer de parler. Je vais parler ma porte. Ah, je regarde quand même. Négocier les prix ici pour avoir même 500, c'est ça? Maman, je vois quand même que c'est abordable ici. On peut quand même faire avec. Ah, les bons cahiers, la meilleure qualité. Et les 40 pages, c'est combien? Ah, comme c'est vous, c'est moi, vous donne 300. Le lot ou bien par cahier? C'est pas cahier, c'est le prix unité. Ok, maman, comme il n'a jamais acheté les choses dans les vrais supermarchés, même si le bon plaisir est vêtu, quoi.
Ok. Non mais c'est quel sabotage comme ça, non? Non, nous avons comme c'est la rentrée, vous pouvez bien acheter. C'est quoi, maman? Attends d'abord. C'est quoi? Il y a quoi? C'est quoi? Tu sais, maman, c'est quoi? Ah, c'est la quoi? Tu t'es pas donné l'argent? Quoi? Attends, tu n'as pas l'argent? Je vais dire quoi, mon mari? Attends, tu as gardé ça où? Oh, 5 000 euros! 5 000, venez me voir marcher! C'est combien dans ça, non? Pour rien qu'un sac, l'argent était ici! Ça c'est quel machin, ouais. Toi-même, toi, comment tu peux garder l'argent ici? C'est de ta faute, parce qu'il avait dit qu'il devait partir au marché, c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est obligé de m'écouter. C'est de ta faute, tu vas donner mon argent. C'est de ta faute. Pardon. Tu vas acheter les cahiers de mes enfants. Pardon, va régler avec ton mari. Tu vas acheter les cahiers de mes enfants. C'est de ta faute. Tout ça, c'est même comme n'avait pas l'argent. Ne me tente même pas où j'ai placé les passants. Sors, 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 sors